Salut, c'est Wally de Denon DJ. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment synchroniser les effets de la table de mixage au BPM du morceau de la platine. Alors, j'ai sélectionné l'effet Transform sur la table de mixage X1800. Donc, on remarque qu'il a comme BPM de base 120. Or, le morceau qui est présent sur ma platine est à 116.3. Donc déjà, pour récupérer le BPM et synchroniser les deux ensemble, il va falloir appuyer sur le bouton Engine Connect, qui va me récupérer les données. Ensuite, avec le bouton FX Channel Assign, je vais récupérer en temps réel le BPM de la platine en sélectionnant la voix. Donc là, on est sur la voix 2, on voit la lumière qui s'allume ici. Je vais passer sur la voix 3 et il a récupéré mon BPM de ma platine, soit 116.3. On va écouter ce que ça donne avec l'effet Transform en 1/2. Je vais aussi changer le BPM du morceau. L'effet reste synchronisé. Je vais passer en Transform 1/4. Et on peut aussi assigner une bande de fréquence sur l'effet. Donc là, l'effet est assigné de 2000 Hz à 20 000. Là, sur toute la bande de fréquence du morceau. Et là, uniquement sur les fréquences graves du morceau, de 0 à 913 Hz.